Salut les gars, bienvenue sur la chaîne de Top Gaming Devs. C'est parti pour un tuto. Un tuto pour Supercell. Donc voilà, comment devenir partenaire, comment devenir créateur Supercell. Donc voilà, je vous mettrai dans la description le lien du site depuis lequel vous pouvez faire ça. Ensuite, ben voilà, je vais déjà vous donner quelques infos assez importantes. Donc le site est en anglais. Là, vous devrez cliquer, voilà, rejoindre le programme et je vais vous montrer, ben voilà, ce que vous avez. Tout d'abord, la première chose importante, vous voyez là, je suis déjà connecté avec la Supercell ID. Ça, c'est très important que vous ayez déjà ça, Supercell ID. La Supercell ID, je vous ai déjà montré en vidéo comment la créer. Je vous mettrai le lien dans la description, comment créer la Supercell ID, ça pourra vous aider. Ensuite, ben, je vais descendre plus bas. Vous avez différentes. Ouais, ils vous disent à quoi ça sert. Et surtout, les informations importantes, c'est ça. Ils vous demandent combien d'abonnés vous avez. Si, il faut donc minimum 1000 abonnés pour avoir un petit partenariat, si on veut, avec Supercell en tant que créateur. Là, vous aurez la possibilité d'avoir accès au serveur et recevoir certains outils seront à votre disposition. Moi, je pense que les outils, ça peut être un peu les PNG, les miniatures, les fonds, quelque chose qui puisse vous aider à pouvoir progresser, à pouvoir faire vos miniatures. Donc, voilà. Ensuite, vous avez le deuxième. Donc, là, vous avez bronze. Ensuite, vous avez argent. Et là, il faut 10 000 abonnés. Donc, là, vous avez toujours, voilà, du matériel. À disposition, vous avez des accès anticipés, c'est-à-dire avant qu'il y ait une mise à jour, peut-être que vous allez pouvoir obtenir la mise à jour avant, donc ça peut être très intéressant. Et ensuite, toujours des informations sur Discord, accès au serveur et tout ça. Ensuite, voilà, en or, il vous faut minimum 50 000 abonnés. Et là, pareil, vous avez vraiment plus d'accès, vous avez même parfois des promotions, vous recevez parfois peut-être des skins ou des cadeaux, bref. Et voilà, si ensuite voilà, il y a ceux qui sont peut-être propriétaires d'une communauté très importante. Ça peut être, par exemple, il y en a beaucoup sur Discord. Donc, si vous avez une communauté d'un jeu Supercell sur Discord où vous êtes vraiment très actif, les personnes participent, les personnes sont présentes, ben vous pouvez également demander à devenir créateur ou partenaire Supercell. Donc voilà des conditions déjà basiques. Donc comme je vous ai dit, connectez-vous déjà ici en haut à votre Supercell ID. Ensuite, vous faites Join the Program. Voilà. Là, ils vous disent, ben voilà, comme vous avez déjà votre Supercell ID, ils vous disent, voilà, ben, welcome back, bon retour. Et puis, est-ce que tu veux créer? Ah ben en fait j'étais déjà en train de créer moi pour un peu voir à quoi ça ressemble, donc je vais faire créer une nouvelle. Vous n'allez pas avoir ce message, donc vous faites juste continuer. Alors, il me demande quelle plateforme j'utilise et j'ai plus que 1000 abonnés, followers. Donc je vais vous choisir moi ma chaîne YouTube Top Gaming Videos, donc où j'ai 15 000 abonnés à peu près. Là, je vais sélectionner l'adresse email et la chaîne. Donc là, vous ne voyez pas, mais si jamais je vais cacher ça. On continue. Ensuite, il vous demande encore la chaîne que vous voulez. Vous allez encore confirmer encore une fois votre chaîne. Voilà, parfait. Ensuite, il va vous demander quel genre de jeu vous voulez devenir créateur. Alors moi, je vais choisir Brawl Stars et en même temps Clash Royale. Parce que c'est vrai que je fais les deux sur ma chaîne. Ensuite, il va vous demander des informations confidentielles, c'est-à-dire éventuellement le nom du créateur. Là, je vais mettre Top Gaming YTB. Ensuite, les infos sur votre nom, prénom, adresse email, la langue, alors français. Et ensuite, vous allez devoir accepter les conditions. Voilà. Là, il vous dit, est-ce que tu fais une double confirmation? Il faut vraiment confirmer encore une fois. Got it. C'est-à-dire, tu as vraiment compris. Et ensuite, vous allez pouvoir envoyer l'application.
Là, il vous dit surtout qu'il faut avoir minimum 13 ans. Et ils vont peut-être prendre certaines informations personnelles, c'est-à-dire des statistiques et tout sur vous et tout ça. Et ensuite, ben voilà, vous acceptez les conditions générales Supercell. Bref, moi maintenant, je vais juste couper la vidéo pour pouvoir remplir ces informations. Ensuite, je reprends, une fois avoir rempli ces informations, pour vous montrer la suite, qu'est-ce qui va se passer après avoir transmis voilà, le formulaire. Donc voilà, nous sommes de retour, donc j'ai rempli les informations en haut et voilà, donc là vous avez fait Got It et Submit Application. Donc très simple, et là, Thanks, Top Gaming YTB, we have received your application and we will get you to you back soon. Donc ils ont dit, ben voilà, nous avons bien reçu voilà, ta demande. Et nous allons revenir à toi d'ici peu. Et voilà. Donc, on n'a plus qu'à attendre. Et voilà. My stuff. Donc, voilà. Ensuite, vous voyez que j'ai déjà une petite application My Stuff. Donc, là, j'ai toujours pas de réponse, mais voilà, en tout cas, back to home, nous sommes de nouveau là. Donc voilà, je vous ai montré comment voilà, créer votre demande pour votre partenaire Supercell. Eux, ils vont vérifier si toutes les informations qu'on a écrites sont valables, si on est actif, si on fait des vidéos sur les jeux Supercell. Si oui, ben voilà, ils vont accepter, sinon ils vont refuser. Normalement, je pense, moi, de mon côté, ça devrait jouer. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a aidé. Likez la vidéo, partagez, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo live. Ciao, ciao!